Astria Girls. Allez les enfants, on ferme les livres, c'est l'heure du quiz. Oh non, je peux pas. Oh bonjour Hubert, est-ce que tout va bien? Rien que des crayons numéro 2, compris? Attention, commencez. Oh, on parlera après l'interrogation, d'accord? Oh. Un peu moins vite, vous parlez tous en même temps, qu'y a-t-il? Oh, je comprends. Il suffit d'en enlever 4, puis de diviser le tout par 3. Oui, je crois que tu as trouvé la solution, Réginald. Tu es très malin. Monsieur Doodle. Oui. La très honnête et très observatrice Trixie a de bonnes raisons de penser que Fluttershy a triché. Oui, je l'ai vu parler à ces oiseaux. Fluttershy, tu sais que c'est très grave de tricher? Je vous jure que je ne trichais pas, monsieur. Je discutais avec ces oiseaux parce qu'ils se disputaient sur le nombre de brindilles de leur nid et... Ils se disputaient? C'est n'importe quoi. Non. Vous voyez, Hubert pensait que Réginald lui volait des brindilles. Mais je lui ai dit, tu peux tout de même distinguer des brindilles de chêne de brindilles de peuplier. Pas vrai, mon mignon? Ils n'y connaissent rien aux maths. Mais moi, j'ai travaillé dur pour préparer cette interrogation. Je n'en ai aucun doute. Hé! Je connais très bien cette matière. Alors prouve-le tout de suite. C'est parti. Interrogez-moi. Tout à fait exact. Les oiseaux? La grande et puissante Trixie a besoin d'un professeur. Est-ce que l'un d'entre vous s'y connaît en trigonométrie?